Tous les matins, c'est le même rituel. La soixantaine de stagiaires habillés aux couleurs blanches du club madrilène font leur entrée dans le stade sur l'hymne de la Ligue des Champions, applaudi par tous les éducateurs. Jules vient de Seyss, près de Toulouse. J'avais envie d'essayer de nouvelles choses et qu'il y avait des technologies que je connaissais pas et que je m'attendais à voir un joueur pro. Et t'attendais à voir qui ? Benzema. Pas de Benzema ni de Zizou, mais un autre Français, Jean-Claude Derache. Il est directeur de stage à la fondation du Real Madrid. Nous, on vient surtout pour amener la méthodologie espagnole, qui est la méthode globale, avec des exercices qui sont super intéressants, adaptés à tous les niveaux. Et on est surtout là pour apprendre toutes les valeurs du Real de Madrid, le respect, la rigueur, le travail. Sur le bord du terrain, Virginie, une maman, observe son fils, Malo, porteur d'un handicap physique. Pour lui, c'est un rêve qui se réalise. Bon, moi, j'avais une petite appréhension. J'avais peur qu'il se mette en difficulté, qu'il se compare, etc. Mais il a été super bien accueilli. Puis lui, il se pose pas de questions, il vit son truc. Allez, top, c'est parti. Allez, sprint. Avec l'aide des bénévoles du club de Castel, le Real propose des tests basés sur des machines dernier cri. François est un des éducateurs. On utilise la Sport Station, une machine qui nous permet de calculer la vitesse de sprint sur 20 mètres. Chaque joueur est équipé d'un bracelet électronique. Le joueur passe en sprint, la machine détecte l'entrée ainsi que la sortie au niveau du sprint. Mélissa, 13 ans, évolue au club de Castel. Pour elle, ce stage avec le Real est une vraie opportunité. Il y a des choses qu'on ne fait pas aux entraînements qu'on apprend ici aussi. Des trucs plus techniques. C'est en plus dépensé et tout, donc oui, ça fait du bien. Je ne m'entends plus qu'à soi.